There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is no one. Et salut à tous, c'est Ender Axel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Refuge. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal farmé parce que j'ai une épée en fer et une pioche en fer, ainsi qu'un stuff complet en fer. Je viens tout juste de le faire. Ça fait beaucoup de fer dans la même phrase. Et il me reste encore pas mal de lingots. J'en ai encore 44. Et vous allez voir pourquoi. C'est dans l'ancienne pièce où je faisais mes croisements, tout simplement, j'ai pas mal farmé. Donc, quand on descend ici, boum, un champ complet. Donc ça, pour ma production en fer, c'est bon. C'est pour ça que on va peut-être bientôt passer directement au harvester. Le harvester, il manque juste du rubber, il me semble. Même pas, du steel. Et du tin. Bon, ça ce sera, je le ferai en off pendant cet épisode pour avoir du tin, parce que je veux bien, mais ça c'est rébarbatif de toujours avoir des graines tout le temps. Et ici, comme vous le voyez, de nouveau des champs. Donc ici des champs de col, champs de quartz. Ici c'est deux petits champs que j'ai pas encore attribués, champs de steel et champs de salt. Le steel, comme vous pouvez le voir, ici j'en aurai besoin. J'ai besoin de 4 ingots. Donc ça va. Il m'en faut 9 normalement. Si je fais une récolte, il y a moyen que j'en ai 9. Hop. J'en ai combien? 10. Voilà, clairement j'en ai plus. Ça fait plaisir. C'est dans ici. Le steel, c'est pas compliqué à faire. Il vous faut juste du charbon. Hop. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça se craft. Donc le steel, il est où? Steel. Mana steel, non, voilà. Donc le steel, c'est juste un iron avec du charcoal. Et on a du steel. Ça, je sens qu'il y a moyen d'en faire. Pas tout de suite, mais il y aura moyen. Ouais, il y aura clairement moyen. Bon, un petit reward bag. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Rotten Earth. D'accord, je sais pas à quoi il sert. Et on a aussi eu les Certus Quartz. Donc les Certus Quartz, franchement, j'en ai chié. Parce que Certus Quartz... on voit qui veut bien manger. Le Certus Quartz, ça s'obtient comme ceci, donc coal et quartz, et on a du Certus Quartz. Sauf que il y a un truc, c'est l'iron seeds. Elle se craft aussi avec du quartz et du coal. Et on a de l'iron. Est-ce que le sens... Non, c'est pas le sens qu'il y a à voir. Mais en gros, soit j'avais du coal, du quartz ou de l'iron. Franchement, j'en ai chié pour avoir justement ici le Certus Quartz Seed. Ça a pris quand même toute l'après-midi et j'ai même fait pousser le champ là à côté. Mais de toute façon, on a eu ça. Je vais prendre du quartz comme ça. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va changer un peu des graines. Je vais faire les graines un peu en off, le temps... histoire de déverrouiller, parce que du tin, j'en aurais besoin. La preuve pour faire les tin gear. Et le copper aussi. Et après, forcément, je vais débloquer par ici pour obtenir jusqu'au diamant. Parce que le diamant, il m'en faut pour certains trucs et franchement, ça ferait plaisir de l'avoir. Ah oui, et tant que je le vois ici, la pouch... En fait, il suffit d'ouvrir ça et mettre la pouch dedans. C'était tout simple. Je savais pas à quoi ça servait, maintenant je le sais. Ah oui, voilà. J'allais dire on se laisse, mais non. Parce que, hop, on va partir sur Kitchen Creeper. Et il faut faire Sonic Method avec le Oven. Le Oven, on peut débloquer...
Ouais, ça, charcoal, on s'en fout un peu maintenant. Donc, le oven, vu que j'ai masse fer, on va pouvoir le crafter tout de suite. Donc, hop, hop, voilà. Il faudra peut-être que je me fasse le four tinker aussi. Hop, comme ceci. Après, je me fais laisser comme ceci. Et le oven qui se craft ensuite. Oven... Voilà, comme ceci. Et ensuite, voilà, on a notre oven. Hop, ce qui nous débloque la quête. On débloque un deuxième oven et du sel. Bah, on va prendre trois ovens, hein, vous savez quoi. Voilà, bah, qu'on va placer ici. Comme ça, ça fonctionne comment? Il faut mettre du coal, sans doute. Et dans le coal, c'est plus rapide à cuire? Je sais pas. Bon, en attendant, on a déjà débloqué ça. Hop. Ensuite, cooking oil. Ah, aujourd'hui, on va parler cuisine. Cooking oil. Donc, la cooking oil qui se fait à partir d'un juicer. Et... décide. Est-ce que j'ai encore... je sais que j'en avais en haut, mais je suis pas sûr d'encore les avoir. On va aller voir ça tout de suite, parce que quand j'ai fait le tri... j'ai ça qui pourrait nous servir, ça. 9 chances sur 10 que j'ai tout jeté. Bah voilà, j'ai tout jeté. Donc, pour ça, il nous faut un juicer. Un juicer, c'est une pressure plate avec... Ouais, ça va. C'est pas encore trop complexe à faire. Avec de la stone... De la stone, j'en ai ici. Hop, on va redescendre tout de suite. On va déjà bien commencer cet épisode. On cherche après tout, partout. Hop, voilà. Donc, pressure plate... avec un comme ceci, on a un juicer. Et ah, bien sûr, c'est pas la bonne seed. Attendez. Blueberry seeds. Avec des seeds normales, ça fonctionne. Donc on va utiliser des seeds normales. J'ai bien un juicer, oui. Voilà. Je n'ai plus de crops, mais c'est pas grave. Ben non, ça fonctionne pas. Oui. Allô? Donc lui, il dit là. Bon, ça fonctionne pas. Alors, du genre, pas du tout, quoi. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que si ça n'est pas fait pour fonctionner... En plus qu'il faut en faire 5, génial, quoi. Et de la douque. Donc, de la douque, ça se fait... avec de la farine, je suis sûr. Mixing bowl, ça va, c'est pas compliqué. Et la farine, j'en ai fait ici tout plein. Comme quoi, je pouvais savoir à l'avance ce qu'on allait faire. Ben, on va redescendre en bas, j'ai des coffres partout. Faudrait vraiment que je remette en route le plaid. Donc, bien sûr, j'ai jeté mon bois. Ah ben, j'avais plein de crops ici. Hop. Donc il faut faire à côté comme ceci. Avec ça au milieu, on a ça. Ensuite ça, ça. Et un seau d'eau que je dois aller chercher de l'eau de l'autre côté. Et me revoilà. Donc j'ai été chercher des seaux d'eau. Donc normalement si on fait ça, ça ne fonctionne pas encore une fois.
qui n'est pas normal. Peut-être le mettre ici. Parce que de temps en temps... Ah oui, voilà. Elle était là, l'histoire. Et il faut en faire combien de... comme ça? Attendez. Hein. Il en faut 3. Bon, ça, c'est réutilisable. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Voilà. Et on va aller rechercher un peu d'eau ensemble, ce coup-ci. Je vais faire des tables de craft un peu partout. Je le sens très bien, cette histoire. Parce que là, taper les allers-retours dans la base... Hop, c'est toujours bon d'en avoir un deuxième. Voilà, ici... Hop. Non, c'est dans ce sens-là. Avec ça. Et voilà, on a les trois. Donc... On a le droit de prendre quelque chose. On va prendre ça. Bon, aujourd'hui, on est des apprentis cuisiniers. Des toasts. Il me semble qu'il faut faire du pain. Et plus on les recuit, plus on a un toast... Ouais, il me semblait bien, c'est avec du pain. Bon, il faut encore que je fasse quelques allers-retours. Attendez, on va trier un peu là-dedans. Voilà. Comme ceci, hop, qu'on ait un inventaire plus ou moins convenable, quoi. Voilà. Et on va tester le oven, tant qu'on y est, pour voir si c'est si efficace que ça. Hop. Voilà, j'en ai encore un peu là. Et on va redescendre tout de suite. Beaucoup de craft. Il me semble que ce modpack c'est plus du craft qu'autre chose. Mais bon, c'est déjà ça. Hop, ensuite on va ressortir mes essences de coal. Non, c'est mes styles. Voilà, j'ai 4 de style. De coal. Bah, au pire, je vais chercher dans un four derrière. Si lui il dépop, je suis pas dans le caca. Hop, on va prendre ça vu que j'en ai farmé pas mal aussi. On va voir ce que ça donne. Bien sûr, il ne le met pas directement. Ça ne cuit pas. Tant pis. On va le mettre dans un four classique parce que il me semble que ce mode est pas mal buggé. Je sais pas pourquoi. Oven. Il va sûrement pas me mettre le use. Du oven. Non, ce serait trop drôle. Bon, tant pis. Hop. Il me semble que... Il en faut 3. Bon. On en a déjà 2. Un petit troisième. Et un petit troisième. Voilà. Bon. Je vais prendre un pot. Vu que... J'ai déjà, et je vais manger ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça nous débloque? Bah, Mutation Time, bah, c'est déjà fait. On a le choix entre un Garden Trowel et Magnifying Glass. Bon, c'est pas pour être méchant, mais ça c'est quand il y a des mauvaises herbes, et dans ce mode-ci, les mauvaises herbes ont été nerf. Donc on va prendre plutôt ça. Popcorn. Ah, j'ai des cornes seeds qui traînent. Il en faut combien? Hop. Il en faut 10. Bon, je vais farmer ça. Par contre, on pourrait avoir du solarium soil. Je sais pas si c'est vraiment super. Et un presseur. Comment se craft le presseur? Hop. Presseur, presseur. Ici. Ouais, le presseur, franchement... Il est facile à faire. Enfin, maintenant il est facile. On m'aurait dit ça au tout début. J'aurais ragé, je pense. Bon, voilà. Bah, pick one, on n'a qu'un seul à choisir. Hop. Un peu de coal. Ouais, bof. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Get. Il faut faire des
Soybean Seed. Soybean Seed. J'en ai peut-être qui traîne de ce bazar là. Soybean. J'en ai pas ici. On va manger un toast. Ah oui, clairement. Le toast, c'est la bonne idée. Dommage qu'on peut pas trop l'utiliser. Ah, lettuce que j'ai. Et ici, okra. Coton. Spice. Sweet potato. Bon. Je vais regarder si, au cas où, on n'a pas quelque chose d'autre à faire. Ah oui, c'est vrai, il y a Auto Everything. Que justement, j'ai des rubber seeds. Et ici, on pourra tout farmer. Donc, c'est vraiment tout pour farmer. Auto Chisel, attendez. On va regarder ensemble. Auto Chisel. Que je sais faire très facilement actuellement. Donc, on va les faire. Ah oui, aujourd'hui, je suis déterminé pour faire pas mal de trucs. Donc, il faut d'abord de la stone que j'ai mis ici, voilà, qu'on en fait des dalles, les dalles on les met ici, et on fait, je suis en train de foutre le bordel dans mon inventaire, et on fait ça, et on a l'auto-chisel, on a le droit à un reward, bon la stone c'est facile à farmer maintenant, on va ranger tout ce bordel, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. J'allais dire pourquoi il veut pas aller. Bon, ça on va garder en attendant. Soybean, ça on regarde après. Ça, qu'est-ce qu'on a? Nasal Brick Chisel, on s'en fout. Voilà. Je drop mon bouquin, moi. Bon, on a déjà ça. Ensuite, Auto Brewer. Ça, c'est, par contre, c'est autre chose, il me semble. C'est un autre craft. Oui, bon, ça, on va attendre d'avoir un peu de rubber pour le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande qu'on pourrait faire? Autoplanter. Ça, il me semble que c'est plus simple à faire, mais il me faut pas mal de ressources. Alors, c'est planter. Le planter qui est ici. Ouais, il me faut du copper, donc ça, ce n'est pas possible actuellement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, ça c'est faire 1502, c'est quand même relou à faire. Bon, c'est beaucoup de machines, c'est relou à faire ici. Je vais sûrement farmer les ressources entre deux. Ah, ça c'est nouveau. Wheat seeds. Il faut 10 de seeds de wheat. Ah, on va repartir sur des seeds. Bon, c'est pas grave. Normalement, j'en ai déjà tout plein qui traînent dans des coffres à gauche, à droite. Bien sûr, il suffit que je dise ça. Hop, vous savez quoi, on va faire ça. Je suis à combien? Il m'en manque. Là, je suis à... Ouais, là... Ah, voilà. Reward, hop, crops. On va remettre ici, justement, pour tout bien ravoir. Hop. Bon, actuellement, j'ai pas plus de crops, mais c'est pas grave. On va remettre ça dans le coffre. Ensuite, qu'est-ce que ça nous a débloqué? Oula. Très clairement. Bah, oui. Ah ben... Ça a bien progressé d'un coup. Clairement, ça fait plaisir. Hop, voilà, ici, on va le laisser se propager tranquillou. Je propose ici qu'on se retrouve au prochain épisode, à moins que j'ai débloqué d'autres trucs. Ah, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà les Iron Chests. Bah ouais, on va faire un dernier craft et on se laisse. Je regarde un peu partout pour vraiment être à fond dans toutes les quêtes. Alors,
un chest. Qu'est-ce que j'ai ici? Bah j'ai du bois pour faire un chest. Hop. Voilà. Et l'iron chest, si je me rappelle bien, il suffit de faire ceci. Oui. Adjugé, je prends le reward bag. Ensuite, silver chest. Le silver qui se craft. C'est un mélange, le silver, il me semble. Silver, silver, silver. On peut en faire des seeds. Du coal et du gold. Bon, ça, ce sera pour dans un petit moment. J'ai pas mal de reward bag. Hop. Ben voilà. On a un iron chest. On va mettre nos seeds ici. Enfin, même. On va foutre notre bordel, ça. Voilà. On va mettre l'auto-chisel. Ça, ça peut toujours être utile quand je vais faire un peu de déco dans la base. Donc, il faut mettre une chisel. On a une qui traîne. Ça prendra un peu moins de place dans mes coffres. Voilà. On a l'auto-chisel qui est prête. Et ensuite... hop, hop. Non, ça, je garde parce que j'en aurai besoin. Donc pour le prochain épisode, ben, je vais continuer à faire mes mélanges de graines, comme ça on pourra un peu progresser. Le satchel, je regarde vite fait tant qu'on est ensemble. Satchel qui se craft. Oh bah ça va, c'est pas relou du tout en fait. Vu que maintenant je peux faire le coton, ben on se retrouve au prochain épisode, comme ça je pourrai avancer. Je vais tourner quelques épisodes de suite. Et je vous dis à la semaine prochaine.